Ah, je sens que les vacances vont bien commencer. Hop, allez. Bonjour, monsieur. Hop, allez. Alors, où sont les billets? Sauf à gauche, je pense. 2 semaines en Nouvelle-Zélande, ça va faire un bien fou. J'avais besoin de vacances, bordel de Dieu. Bon, je vais me dépêcher parce qu'après, j'ai mon client qui arrive. Il faut que je m'occupe de lui pour qu'il s'en aille assez rapidement. En plus, il paye bien, donc j'ai pas le choix. C'est un client privilégié de luxe. Faut que je le fasse décoller au plus vite dans son jet privé. Avant, faut que je libère la piste, vu qu'il n'y a pas trop de monde ce matin sur la piste. Je vais enlever les cônes qu'il y a là. Ça va, franchement, aujourd'hui, c'est calme à l'aéroport. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde. Bon, bref, c'est pas grave. Ça m'arrange, moi. Juste enlever les cônes pour libérer la piste. Après, il faut que je mette l'hélicoptère pas loin d'Helipad pour un collègue tout à l'heure. Et après, bah, faut que je prenne le jet privé pour le faire décoller avec le client dedans. Je crois qu'il s'en va en Nouvelle-Zélande, il me semble. Donc ouais, il paye bien. En plus, il a payé pour qu'il ait un petit avantage à l'aéroport et que évidemment, bah, il s'en aille beaucoup plus vite. Et surtout avec un avion spécifique pour lui, quoi. Hop, je vais mettre le dernier cône. Après, c'est bon, j'en ai plus. Impeccable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut que je cherche ses bagages aussi. Oh là là là, j'ai pas fini, hein, moi. Je ramène ça. Je vais prendre le train de remorque. Je vais aller charger les bagages. Il faut que je le récupère aussi. Bah, je vais le récupérer. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille avec le Gator pour le récupérer. Ouais, bah écoute, on va mettre le Gator devant le train de remorque, ça sera plus rapide. Voilà, bon, je vais reculer là, comme ça, ça sera bon. Voilà, les câbles. Je vais reculer, tranquillou. Ok. Enfin, quand je dis Gator, bien évidemment, je parle du Kubota. Il faut juste que j'enlève... Ouais, il faut juste que je dételle la voiture ici. Allez hop, impeccable. Je vais la mettre juste là devant. Voilà. Ok. On va prendre le Kubota. De toute façon, même s'il a beaucoup de bagages, je pense qu'avec un train de remorque, de 3 remorques, ça devrait suffire. Par contre, la tâche, elle me semble fort haut pour le Kubota. Avec d'habitude, je prends la voiture, mais bon. Oh, c'est pas grave, tant pis. On va faire avec. Hop. Oh, ça va le faire. Ouais, tout juste, hein, mais ça va le faire. Bon, allez, je me grouille parce qu'à mon avis, il doit m'attendre. Je suis déjà 10 minutes en retard, là. Bonjour, je viens chercher mes billets pour la Nouvelle-Zélande au nom de Pierre Richard. Merci, dites un petit sourire, ça ferait plaisir. Hein. Et salut. Oh putain, ils sont propres ici. Hop. On passe sous le portique. Tac. Ah, ça sonne pas magnifique. Allez, vite, faut que je prenne l'avion parce que je suis à la bourre, moi. Hop, pardon. Hop. J'espère que le Digoto il m'attend comme prévu. Hein. Merde, y'a personne, il est pas encore arrivé ce con. Punaise. Monsieur Pierre Richard! Ouais, monsieur, c'est moi. Bah, vous pouvez venir. Bonjour, mon capitaine, comment allez-vous? Bonjour, bah ça va. Désolé d'être un petit peu en retard, mais j'avais quelques trucs à faire. Ah, d'accord, ok. J'ai pas encore fini, d'ailleurs, je vous ramène. Dites-moi, votre véhicule est pas fort confortable. Pourquoi? Bah si. Moi je pensais avoir quand même au minimum une limousine quand même. Vu ma prestance sociale, j'exige d'avoir au minimum une limousine. Ah bah on n'a pas le droit, monsieur, sur les pistes comme ça, tout ce qu'on est autorisé à conduire. Ah oui, mais pour moi, vous devez avoir tous les trois, excusez-moi. Oui, bah écoutez, monsieur, moi je fais ce que je peux, hein. Ça va? Ah bah. Je vais. En plus, c'est bruyant. Je vais avoir une otite avec ce bruit dans les oreilles là, ça va pas du tout. Hein. Je vais vous déposer ici, vous pouvez vous mettre à l'abri, moi je vais charger vos bagages, ça va? Ah ok, d'accord. Je vais charger. Ouais. J'ai assez avec les 3 remorques derrière pour vos bagages là. J'espère, on va voir. Ok. Bah je charge vos bagages. Il faut que juste que je retire l'hélico pour un collègue et puis je défais le jet privé, je le mets en place, ça va? Oui, dépêchez-vous. Hein. Ah, je fais. Je ouais, pas de soucis. Je fais au plus vite. En plus, il va falloir que j'amène le Clark pour charger ses bagages, quoi. Purée, j'ai pas pensé à ça. Il va falloir que je me tape toute la piste à pied en courant encore parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, ben on n'est pas rendu, hein, je te le dis. Il n'y a pas d'avion, tant pis, je traverse la piste. Hein. Et franchement, j'ai pas que ça à faire. Faut absolument qu'il soit satisfait, sinon je vais pas être payé comme il faut. Moi. Bon, allez, le Clark. Hop! Allez, c'est parti. Bon, par contre, avec le Clark, je vais pas pouvoir traverser la piste, hein, je veux bien, mais ça va être un peu plus dur d'éviter. Et ouais, c'est vraiment calme, l'aéroport, aujourd'hui. Hein. Lui, il a décidé un bonjour. Hein. Je vais passer pour lui dire que je fais au plus vite. Ouais, je fais au plus vite, hein, parce que j'ai oublié... Enfin, c'est pas que j'ai oublié le Clark, mais je suis obligé de traverser la piste pour aller le chercher, donc...
Ah bah dites-moi, vous faites exprès ou quoi? Eh non, mais vous croyez que j'ai sac à faire ou quoi? Bah moi non plus, j'ai pas que sac à faire, je fais au plus vite, monsieur. Oh là là, mais jamais content. Bah en même temps, je sais que c'est pas ça. C'est à moi à gérer, mais bon, je suis tout seul pour lui. Je veux bien, mais... Eh ben 20 km/h, c'est long, hein. Bon allez, alors par contre, il a pas mal de bagages, mais il s'en va où en Nouvelle-Zélande, frérot? Il a ramené quoi, là? Ah, une... Deux... Ah! Il a ramené deux setups, deux télé, trois canapes. Bon, ça, je suppose que c'est des meubles, Ikea, ouais. Et ouais, bah, super. Il a cru que... Il a cru que j'étais déménageur, moi, ou que je chargeais des avions. Bon, je pense même qu'il va aller en hélico, hein. Parce que là, à vrai dire, on aura jamais assez de place pour mettre tout dans le jet privé, hein. Pas grave, il ira en hélico, hein, il va pas se plaindre. Parce que là, vraiment, ça va être chaud, hein. De tout mettre dans le jet privé, ça me semble assez compliqué. Hop. Voilà. Bon, normalement, avec les trois remorques, je devrais avoir assez, genre. Bon, c'est fini de charger, je vais lui amener ça, donc avec deux remorques j'ai eu assez. Par contre, je vais demander où il s'en va comme ça, parce que... Moi, je pensais qu'il s'en allait juste en vacances, mais s'il a pris tout ça, il s'en va plus loin qu'en vacances. Bref, c'est pas grave. Hop. Oula. Oula, 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 le Kubota qui en a marre, là. Ouais. En même temps, vu tout ce qu'il y a derrière, d'habitude, on fait ça avec la voiturette, hein, on fait pas ça, enfin... On fait ça avec l'autre voiturette, pas ça avec le Kubota, parce que celui-là, il galère un peu. Allez, c'est parti, on va le rejoindre. J'espère que je l'ai pas fait attendre trop longtemps. Ça fait combien? Ouah, ça fait 25 minutes que je charge. Eh, mais il a fermé la porte, il est fou lui. Eh, monsieur. Ah, bah quand même. Ouais, désolé, désolé. Vous êtes parti chercher ma valise à perpète les ennuyettes ou quoi? Bah, c'est même plus des valises là, vous avez vu le bordel. Bah, c'est normal, c'est pour mon nouveau loft, hein, à Nouvelle-Zélande, à Wellington. Vous connaissez Wellington? Ouais, pas spécialement, non. Ah, ça serait. J'ai pris là-bas un loft de 300 mètres carrés. Ah bah tant mieux pour vous, c'est ce que j'allais dire. Si vous en allez en vacances et que vous prenez tout ça, je sais pas où vous allez en vacances. Mais ah bah c'est vacances et après j'aménage un nouveau loft. Ah bah d'accord, ok. Bah par contre, il fallait pas fermer la porte. Ah bah excusez moi, mais ça caille, c'est y courant d'air ici. Bah je suis en t-shirt, je caille pas moi. Ah bah excusez-moi, oui, j'ai un manteau et j'ai froid, alors oui. Par contre, on voyagera pas en jet privé, malheureusement, hein. Vu tous les cartons. Vu tous les cartons que vous avez, c'est pas possible, hein, monsieur. Vous vous rendez bien compte que pour mettre tout ça dans un jet privé, ça va pas être possible. Et comment on va faire alors? Ah ben, j'ai un hélicoptère. Un hélicoptère? Ouais, ça... Bah, ça va prendre. Normalement, il est quand même assez rapide, hein, c'est pas ça. Hein. Ouais, mais vous vous rendez compte, en jet privé, il faut déjà 10 heures en hélicoptère, il faut bah, 3 jours. Hein. Ouais, il faut 3 jours, mais. Tout est fourni avec, la bouffe et tout, vous inquiétez pas. Oui, mais on est obligé de faire des escales pour ravitailler l'hélicoptère. Ouais, mais ça, c'est eux qui s'en occupent, y a pas de problème. Moi, je suis avec des gens dedans, on s'en occupe, y a pas de souci. 3 jours sans me laver, mais c'est impossible. Non, y a tout, on pourra se laver, on va faire des escales, on va pouvoir se laver, vous inquiétez pas. C'est juste que bah, si vous voulez que tout votre matériel se transporte, à un moment donné... Vous êtes sûr, hein? Ouais, au moins là, je peux tout mettre dedans, quoi. Ah, ça m'ennuie, moi je voulais être dans un jet privé, bien nous. Mais vous allez être au chaud, ça va être pareil, ça va même encore être mieux, regardez-moi le bolide. Bref, je. Vous savez qu'on va être marqué de loin, orange fluo et les vert fluo, c'est original quoi. Vous savez quoi, je le sors et je recharge vos bagages. Ok, d'accord. Monsieur. Quoi? Excusez-moi d'être aussi un peu chiant, mais vous pouvez pas le repeindre parce que les couleurs, ça m'accommode vachement, hein. Non, on laisse comme ça. Bah non, je peux pas me faire ça. Je peux pas permettre ça. Et puis j'ai pas vu l'avion, il est jaune avec des trucs roses. Mais dites-moi, c'est quoi votre société là C'est pas le souci, monsieur, c'est pas le souci. Et nous, on tente des nouvelles choses. Voilà. Après, vous allez être discret, y a pas de problème. On va être discret dedans, y a pas de souci. Allez, on est en l'air, hein, monsieur, on n'est pas sur le sol, hein. Oui, mais bon, pour atterrir sur un aéroport, faut mettre sur le sol quand ouais, même. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Puis le tire-avion, c'est un truc rose fluo. Ok, d'accord. Oh, on a des nouvelles peintures à l'entreprise. Oh, je suis tombé, au secours. Première et dernière fois que je prends cette compagnie. Oh mon dieu. Allez, non, bougez pas. Enfin, bougez quand même, parce que sinon je vais vous écraser, mais... Il ne manquait plus que ça, vous m'écrasiez, tiens. Retirez-vous. Voilà. Hop. Je le sors,
Faut que j'ouvre, ouais, c'est bon, là, il y aura assez de place. Vous inquiétez pas, vous allez encore être mieux que dans un jet privé, monsieur. Ben, permettez-moi d'en douter, quand même. Non, 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 y a pas de problème. Je vais le mettre bien droit. Voilà. Impeccable. Je suis tombé. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Sœur Marie-Joseph, où je suis, quoi? Oh, punaise. Ça va le faire. Bon, ben là, je charge tous vos colis et puis on s'en va. On peut décoller. Ouais, allez-y. Ah, tous vos colis, tout ce que vous avez déjà. C'est pas... Justement, moi, je vous dis ça, on aurait pu aller en jet privé, mais c'était pas sûr que les colis arrivent entiers, hein. Là, vous êtes sûr qu'au moins, ils sont transportés, ils arriveront nickel à base de chez nickel, monsieur. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que je vous paye assez cher. Ouais, 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 y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Voilà, je vais déplier ça. Ok, nickel. Bon, là, voilà, il y aura de la place pour le charger, c'est bien, c'est nickel. Tac. Voilà. Par contre, je me demande si du coup, maintenant que j'ai dit que le jet privé était libre, s'ils ont pas un décollage bientôt avec. Faut que je leur demande, bref, c'est pas grave. Oh merde, le Clark il est de l'autre côté, bah c'est bon, je suis bon pour aller le rechercher. Hein. Voilà, bon bah c'est reparti pour un tour, on va tout remettre dedans, comme ça sera fait. Hein. Restez pas en plein milieu, monsieur. Hein. Dites-moi, pour le confort, c'est pas très libre, mais je vais être assis sur un banc, vous rigolez quoi? Non, ça c'est illusion, on va vous mettre bien, vous inquiétez pas. Ah ouais, c'est des bancs, bonjour. Faites attention parce que je suis très sensible aux hémorroïdes, hein. Faites attention quand même. Hein. Ouais, y a pas de souci, monsieur. Ça va le faire, vous inquiétez pas, vous allez être confortable. Oh, les pauvres fesses. N'allez pas dedans, tirez-vous, moi je dois charger, hein, sinon on décollera pas. Hein. Et je me mets où alors? Mais dehors, sortez. Oh bah, c'est possible, celui-là. Oh punaise, hein, vous êtes embêtant vous. Hein. Bah ouais, bah c'est ça, ou alors on laisse vos affaires ici, hein. Moi je veux bien, mais au bout d'un moment... Ah non, hors de question, vous rigolez quoi, depuis que j'ai payé ça, mais vous êtes fous. Voilà. Mettre les bagages un peu plus à l'arrière ici. Voilà, c'est calme. Ouais, il faut que vous fassiez attention parce que j'ai... Maintenant que j'ai dit que le jet privé, on partait pas avec, il y a peut-être un collègue qui va décoller avec. Hein. Ouais, je m'en fous moi. Bah non, mais c'est soit ça, soit on vous voit plus, quoi. Comment ça, on vous voit plus? Bah non, mais faites gaffe de pas vous faire balayer par le jet privé, c'est ça, parce que c'est très rapide, hein, ces engins-là. Vous avez vu, il est parti, là, hein. C'est normalement, c'est avec ça qu'on aurait dû rouler. Enfin, voler, cool. Plutôt. Ah ouais, bah, on serait arrivé plus vite, hein, en tout cas, c'est sûr. Ah hein. Ouais, c'est un avion de militaire, un hein, F-117, le bordel. Ah ouais, et ce qui est bien, c'est qu'il décolle le nez en avant, dis-donc. C'est un sacré avion, ça, dis-donc. Ouais, ouais, et en plus, il va très rapidement. Là, on aurait été en Nouvelle-Zélande dans 30 minutes, hein. Même pas, hein. Faut pas viser non plus. Non, mais... Oula, vous êtes sûr qu'il est un pilote, Ouais. Ah oui, c'est un pilote, hein. C'est un pilote de ligne, hein. Oula. Ah, il faut être un très très bon pilote, hein, pour ces engins-là. Ah ouais, je vois ça, bah, lui, c'est pas un bon pilote, hein, je le dis, moi. Bon bref, il est parti. Bon, maintenant qu'on s'entend mieux, on va pouvoir continuer. Là, j'ai fini de charger vos bagages. On se met sur l'hélipad et on est parti. Eh hey, bah go, je monte dans l'hélicoptère, je vous attends. Hey, ouais. Go. Ça va, vous avez réussi à passer avec tout le bordel? Ouais, ouais, mais vraiment, ce qui m'embête, c'est vos bancs, ça va pas du tout, là. Ouais, mais non, y a pas de souci, monsieur. Mais non, mais c'est pas confortable du tout. Mais vous pouvez vous allonger. De toute façon, vous avez vos canapés qui sont juste là, hein, si ça, jamais ça vous gêne. Bien sûr, il n'y a pas de dessus, ça, c'est sûr, c'est vachement pratique pour s'asseoir de dessus. Hein. Ben oui, y a pas de souci. De toute façon, on va pas tarder à décoller. Moi, je vais décoller ici, je vais me placer sur l'hélipad parce qu'il faut que j'ai l'autorisation quand même. Et dès qu'on a l'autorisation, on décolle, ça va? Oui, bah dépêchez-vous. Oui. Hein. Parce que là, on a une heure de retard sur l'horaire prévu, ça va pas du tout. Hein. Y a pas de souci, ça va aller, monsieur. Non, ça va pas aller du tout. Non. Voilà. J'ai refermé l'arrière. Maintenant, je vais ranger mon Clark et les remorques et puis on est parti. Monsieur, tranquillement, mettez-vous plus vers l'arrière. Hein. Vous avez... Ah ouais, hein, nous, on est obligé de tout laisser ouvert ici. Comment ça, laisser ouvert? Vous êtes fous? Ouais, non, c'est pas... On va pas loin, là. On va juste... on se met juste pour décoller, là. Prêt à décoller sur l'hélipad. Allez, c'est parti, monsieur. Ah non. Attendez, il faut le temps qu'il démarre. C'est bruyant, ça va pas du tout. Hein. Ah, mais ça, il faut prendre des boules quies avec vous, hein. Comment ça? Les casques se sont pas fournis? Non. Mais c'est quoi cette histoire? Mais ça va pas du tout là. Dites-moi, oh, allez me chercher des bouquets ou des casques. Eh, vous m'entendez? Oh! Monsieur! Ah, il m'entend pas, cet abruti là. Vous êtes brusque dans vos gestes, hein? Non, non! Bah si, oh là là! Heureusement que je suis attaché, autrement, je valdinguerais un hélicoptère de droite à gauche. Ça va pas du tout ça. Bah non, ça va le faire, monsieur. Oh là là.
Dès que j'ai l'autorisation, monsieur, on décolle. Ça va? Ouais, bah dépêchez-vous. Ouais, je fais du mieux que je peux. Monsieur, on va décoller, on a l'autorisation. Ah, enfin, pas trop tôt. Oui. On y va. Oh. Bon, là, vous avez dit combien de temps de base en avion vous mettez pour aller en Nouvelle-Zélande? 12 heures. Voilà, on est parti pour... 3 jours. Ouais, ouais. 40... Non, on est parti pour 70, ouais, quasiment 3 jours. Ouais. Par contre, en arrivant à Wellington, faites venir une ambulance, que je sens que genre, je vais être bloqué du dos. Hein. Pourquoi? Ça va pas le faire du tout. Ah, oh, c'est inconfortable au possible, votre engin de malheur, là. Mais bah écoutez, on fait du mieux qu'on peut ici, hein. Je sais pas si vous le savez, mais je fais pas partie de l'armée, moi. Non, mais on avait pas le choix, on avait plus que ça. Oula, je passe pas loin. Ouais. Pourquoi on descend comme ça? Non, mais c'est... j'ai encore des petits problèmes. J'ai des spasmes, en fait. Des spasmes? Comment ça, des spasmes? Du coup, des fois, je descends très vite comme ça, là. Vous rigolez? Descendez, moi, je vais descendre de cet appareil non, de malheur. Non, ne vous inquiétez pas, on est parti. Non, je reste pas. Non, excusez-moi, je veux pas risquer ma vie. Ma vie est entre vos mains, ça sera pas du tout, là. Allez, on est parti direction la Nouvelle-Zélande. Non, descendez. Ramenez-moi à l'aéroport, c'est un ordre. Ça marche, bonne journée Bobby. Oh là, le client là pendant 2 semaines en Nouvelle-Zélande, moi j'en pouvais plus hein. Ouh là là, heureusement qu'il paye bien parce que qu'est-ce qu'il était relou. Bon allez, j'y vais aller dehors boire un petit coup. Et après, on est parti pour la suite de la journée. Hein. J'ai quand même pas mal de boulot ici à l'aéroport. Heureusement, j'ai bien touché sur les 2 semaines où il est parti. C'était un bon client à ce niveau-là, mais à part ça, mon dieu, il arrêtait pas une seconde. Quoi. Toujours à se plaindre.